Dialogue vers les nations FNJMN a gagné la Ouezo Waneno Wazalene. Message divin ancestral à l'occasion de la commémoration de la première étape de l'indépendance et du lancement de la lutte pour l'indépendance totale du Congo et de l'Afrique en général. Tunarudilia masambo na kuendesha harakati za baba mtakatifu Lumumba. Nous, la foi naturelle judaïque messianique vers les nations, bar agano la uezo waneno, bar wazalendu, animé par les sentiments patriotiques et sous la haute inspiration du Créateur Tout-Puissant, à toute l'Union africaine, mesdames et messieurs les décideurs au niveau de la communauté internationale et ONU, mesdames et messieurs les leaders ecclésiales et représentants des confessions religieuses de l'impérialisme, messieurs les représentants des organisations du système onusien, à l'occurrence UNESCO, HACER, FAO et PAM, messieurs les ministres ayant en charge la santé dans les États africains, messieurs les ministres ayant en charge l'éducation dans les États africains, très chères autorités coutumières et gardiens des coutumes africaines, très chers habitants du continent d'Afrique, distingués invités, à vos rangs, titres et qualités respectives, bonne fête. Nous adressons nos remerciements au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il investit pour le rétablissement de la paix et défendre le droit de l'indépendance et protéger l'unité et l'intégrité de la nation. Puisse notre Créateur Tout-Puissant le protéger et lui venir en aide. Nous lui adressons également nos sincères remerciements pour avoir reconnu et proclamé officiellement le jour du 6 avril comme journée de commémoration du combat de Tata Mfumu Kimbangu et la conscience africaine. En plus, nous le prions de bien vouloir promouvoir l'œuvre authentique léguée par Mobutu au profit de la population congolaise et africaine basée sur la citoyenneté et l'intégrité territoriale du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Pour ce faire, nous, la foi naturelle judaïque messianique avec les nations FNJMN, lui rassurons tout notre soutien dans sa lutte pour l'éveil des consciences africaines et congolaises en particulier, et honorer le travail de nos ancêtres et notre culture à travers cette journée du 6 avril. Que le Créateur et Père de nos ancêtres soit avec lui. Nous soutenons également tous les leaders africains qui œuvrent pour l'éveil de conscience africaine et qui nous soutiennent dans cette lutte amorcée par Tata Mfumu Kimbangu. Nos sincères remerciements s'adressent également aux dirigeants de l'État congolais et africain,
animés d'un sentiment patriotique et travaillent pour la restauration de l'unité africaine. À tous les Congolais et Africains en général, à tous les patriotes messianiques, messianistes et tous ceux qui professent la foi libre et naturelle sur le continent africain, et à vous tous qui avez accepté de commémorer avec nous cette journée du 30 juin. Nous avons le signe honneur de prendre le devant à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, vous transmettre le message divin et ancestral pour l'éveil de la conscience. En effet, ce message divin et ancestral a été révélé à la foi naturelle judaïque messianique vers les nations FNJMN bar à Gano la Uwezo Waneno que nous sommes. D'où le devoir ferme pour nous de vous le transmettre par moi, le visionnaire Ephraim Bissimwa. Il sied pour nous d'y revenir car la répétition est la mère de la science, dit-on. Le message vise strictement l'éveil des consciences à l'endroit des décideurs précités. Avant d'entrer dans le vif du message, nous avons l'amabilité de rappeler à tous et à toutes que notre indépendance acquise le 30 juin 1960 était méritée. C'est à ce titre que nous, FNJMN, nous n'avons jamais su nous retenir et laisser que ça se passe d'une manière inaperçue. Sous l'inspiration divine et impulsion ancestrale, nous offrons l'Holocauste au Créateur pour implorer sa grâce sur la RDC. À l'occasion, peuple congolais en particulier et africain en général, vous serez aujourd'hui éclairé que le Créateur et nos ancêtres ne veulent pas que vous puissiez rester dans l'ignorance en ce qui concerne les juges pesants du système colonial et impérialiste qui vous maintient dans un état d'esclavagisme occidental. Ces animateurs créent l'animosité dans le chef des Congolais et Africains et sont devenus pires que les colonisateurs lui-même. C'est ainsi que le peuple aujourd'hui ne se retient en aucun instant de poser d'actes ignobles et de sabotage à l'endroit de son frère. Ceci n'avait jamais existé ni n'existe nulle part dans la culture traditionnelle africaine. Quel que soit le sacrifice suprême de nos héros et à heureuse mémoire, Kimba Vita Simba, Fumu Kimbangu, Saint Lumumba, Okita Somo, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Azabanga, Mzee Kabila, Sankara, etc., ont consenti pour la libération intégrale et la souveraineté nationale de nos pays, mais hélas, l'Afrique demeure dans le gouffre de la domination occidentale. Au lieu et place de la justice sociale, ces impérialistes ont instauré et perpétré leur égoïsme et hégémonie sur les États africains au travers le système toxicomane opium du peuple, sous ce que nous qualifions de tatou-tatou, c'est-à-dire 3 plus 3 qui est égal à 6. Soyons à l'écoute de nos explications quant à ce. Dini, religion. Mishahara, salaire. Serekali, gouvernement. Cheo, pouvoir. Elimu, éducation. Pesa, la monnaie. 1. Religion. Celle-ci a été importée jusque chez nous pour venir faire une table rase à notre croyance authentique outre vers laquelle nous savions vénérer notre Créateur. Ils ont avancé comme prétexte que notre rite était démoniaque
Pourtant, ils nous ont plongés dans une pire et simple aliénation spirituelle et morale. C'est à cette ruse qu'ils vont emporter tous nos ustensiles rituels et les amener dans leur propre musée pour s'en servir. Ayant réussi cette sale besogne, ils ont perpétré l'esclavage, division entre nous, frères. Ainsi, notre rapport alliance avec notre Créateur et nos ancêtres sera détruit. En cette manière, ces religions sont venues conquérir les terres jadis propriété de nos Mouami. Référence Bible Michée 4, 5, 2 Rois, 17, 24, 26, psaume 82, 1. Comme conséquence, la religion en Afrique est devenue un échange de biens avec les acteurs politiques pour répondre à la gourmandise intérêt privé au détriment du peuple abandonné à leur triste sort et misère indescriptible. De gouvernement. Une émanation du régime machiavélique appliquée par les missionnaires religieux pour dominer sur les empires et royaumes qui étaient un système dirigiste propre pour l'Afrique. Comme conséquence, il nous impose le régime politique incompatible avec nos origines et même la compréhension. Régime républicain, démocratie, dont le multipartisme est désordonné et les retombées sont aujourd'hui néfastes. Nous remarquons multiplicité d'idéologies disparates qui entraînent et accélèrent la division entre frères. On n'a plus d'assoiffé du pouvoir caractérisé par l'incompétence. Il y a manque de patriotisme, absence d'une vision unique, uniforme pour bâtir la nation, une véritable nation authentique. L'extraversion politique, la gestion du pays par l'extérieur, barre l'Occident. Beaucoup de promesses en faveur de la population de base, non réalisées par les leaders locaux, ce qui entraîne la méfiance entre les dirigeants et dirigés. L'économie extravertie, l'expression des groupes armés responsables des guerres en répétition, les déplacés des guerres à l'interne, une désolation en termes de catastrophes humanitaires. Les tentatives de stabilisation qui entraînent la signature des accords non profitables à la nation et encouffrent davantage les nations. L'éducation. Une suite d'émanations de manœuvres religieuses. Sherekea sikukuu ya le 30 juin. Kia nini mababu zetu, Mungu na mababu zetu, walichagula tukue hapa ku makao yenye wavamizi wa dunia wanaikala hako. Kia nini tuko hapa? Tunakuja hapa juu ya kuleta ujumbe kwamba kweli tulipata uhuru bandia katika nchi ya Kongo na bara nzima la Afrika. Hatukupata uhuru. Tulidanganywa. Mukifransa wanaita independence masquerade. Masquerade. Na ndio maana tulikuja hapa kumakao makuu ya watu wenye wanajifanya wanafiki kwamba wanapenda Kongo, wanapenda Afrika, kumbe wanaiba na kupora na kutokujali maendeleo ya wakongomani. Yenye! Yenye! Tumekuja hapa juu ya kutangaza mwendelezo wa harakati za Baba Lumumba. Tunaambia Umoja wa Mataifa na tunatangazia government yetu na heshimu rais wetu Tshisekedi Tshilombo, tunamheshimu. Wazalendo wote tunamheshimu. Kongo na Afrika tunamheshimu.
Afrika yote tunaheshimu viongozi wa Afrika, lakini leo tumekuja kutangaza kwamba hatutaki tena uhuru bandia, tunataka kupata uhuru kamilifu katika Kongo na Afrika yote. Independence total. Mnielewe. Ndio. Tunasema hivi. Tunasema hivi. Tulikuja hapa kumakao ya Monisco. Kuambia Monisco tunawashukuru kwa mazuri wamefanya Mkongo, lakini pia tunawaonya kwa mabaya mengi wamefanya Mkongo. Mnielewe. Mnielewe. Lumumba alikufa chini ya uangalizi wa watu wanaita Onike. Lumumba kakufa na niwaita bakwe watusaidie Mkongo, lakini akakufa na biko wanamwangalia na kompanya yake yote, na wakongomani wengi wakakufa wakaenda utumwani. Onu haijawahi kutusaidia Mkongo hata siku moja. Jambo la pili. Mzee Kabila alikufa chini ya uangalizi wa Monique. Monique, Mzee Kabila kauawa na Monique yote iko hapa, wakamuua na Monique haikumwekea ulinzi na kusaidia kitu. Mwenye anashindwa kusaidia kiongozi wa nchi yako atakusaidia? Mama simba kulinda kiongozi wa nchi yako atakulinda? Jibu ni hapana. Ndio maana leo tunakuja kurudilia masambo. Masambo ya uhuru wa nchi ya Kongo na bara nzima la Afrika. Tunataka kusema hivi, tumekuja hapa kuambia Oni waache kutuia wa hero national wa shujaa wote wa Kongo na Afrika, waache kuwaua. Wakiua tena mmoja, maraba hatutaliaka, tutaingia kumakao zote za Nations Unies, tutafanya fujo wakongomani wote na Waafrika wote, kwa sababu tunaona Oni haipendi umoja wa Afrika, haipendi maendeleo ya Afrika. Sema hivi tena, Mamadou Ndala na kompanyi yake wamekufa pembeni ya makao ya Monisco. Monisco hayawahi kutuambia kwa nini Mamadou Ndala alikufa, ile yote iko kimya. Hatutaki walidere wetu wanapenda Kongo na Afrika waendelee kufa kama nyama. Ndio maana tulikia chinja nyama hapa kufasi ya walidere wetu, waache walidere wetu waishi kwa amani. Naongea hivi. Masakre ya Kongo na Afrika inapita. Hapa Goma na kweste ya Kongo. Tuliambiwa Monisco wanakuja kutusaidia, Haser Pame wanakuja kutusaidia. Tunaambia kwa sauti ya kongomani wote waache ile michezo. Ndio. Wahakikishe ulinzi ndani na nje ya mji. Ndani ya mji na nje ya nini? Ya mji. Tunaomba kwa serikali ya Kongo, kama Monisco itafika tarehe mwezi wa 12 hawajaweza kuweka amani Mkongo, wasirudilie mikataba na Monisco iende. Tunawaadvertire wakibakia wakongomani wote tutakuja sabote mambo kwa utukufu wa Mungu na mababu zetu. Yenye Nations Unies irevoir mambo yake yote
mamikataba zake zote zenye lifanya na Afrika na Kongo wazifanye kwa uzuri, maana sie wa Kongomani tunazikalfie kama ni ma accord ma convention commissionnaire na ni escroquerie ku peuple congolais na ku peuple africain. Monisco mwenye alikia tuchunga hawezi tukalia muvile aende kupori apigane vita, haiko raia nyeta chunga Monisco, lakini Monisco ndio aliseme na kia chunga raia aiyesie tutabachunga muvile. Haiwezekane kama watapigana vita apigane vita, kama vita haiishe hatutakubali tena michezo yenye watendelea kufanya mwinchi ya Kongo. Ubakaji imezidi, hata majeshi na watu wa Umoja wa Mataifa wamebaka mama zetu na kaka zetu na ndugu zetu. Serikali imenyamaza na Monisco na nyamaza, hawajawahi kutuambia watu ya Monisco walisambia wapi ubakaji, ama watu ya Umoja wa Mataifa balisambia ubakaji na ni nini balilipa mu serikali ya Kongo. Hasser na pami, tunashukuru kutujia kwa jina la misaada, lakini kusema mnatukuia kwa jina la misaada bila anayesaidiwa njoo kusema nini? Njoo kusema nini? Uvamizi, aggression. Hasser tangu wakati wa Lumumba na Mobutu iko inatumika sawa soko ya utumwa, yena pame na maoni gente internationale wanatumika sawa soko ya utumwa ndani ya nchi ya Kongo na katika bara la Afrika. Wa autorite wengi asere libeba Bulaya ndio benye iko na forme kuleta mambo mengi ya mavita, kuleta misharabaka muinchi, kuleta matatizo muinchi, bali tokaka muinchi kujina la CR bakenda jifunza kutokupenda inchi, wakajifunza kutokuwa wazalendo wa inchi, na leo inchi inaharibika. Hasser waache soko. Tangu leo kutokana na mauaji na mateso ya mkongomani na Mwafrika, tunakalfia Hasser na pame kama wachuruzi wa soko za utumwa barani Afrika na katika Kongo yote. Kama unabisha wende Kampala, sa vita zinakuwaka hapa, watu wanakimbilia Kampala, banakuwa batu ya Hasser, banakuwa batu ya maana siosi ni, siye tunabakia, tuko tunakufa na kuteseka mwinchi yetu. Kama wanataka kusaidia kuleta amani, batuchungie mwinchi yetu, tutakufia hapa, tutaki Bulaya. Kongo ni nzuri kuliko Ulaya, sindio? Afrika ni nzuri kuliko Ulaya, sindio? Hasser kama itasaidia, isaidia kuleta amani, lakini hapana kuwewa wakimbizi mwinchi za kigeni. Hiyo wakongomani tunakatala. Guvernema yetu ya Kongo pamoja na wenzetu warevare zile mikataba. Mungu atusaidie sana. Mbele tumalize, acha niache Abati Kalumbi kuleta message yenye tunadrese kwa taifa lote nzima na kwa nchi yote nzima, kwa sababu leo tulikuya kulanse, tulikuya sherekea premier etape ya independence ya nchi ya Kongo, lakini leo tulikuya kulanse continuité ya lite ya kazi za baba Lumumba zenye alisemaka independence tulipata aba watu wamegeuza kuwa kaze, imekuwa prizo. Kumbe tutaigombania isikuwe tena prizo, lazima tupate uhuru. Tutaendelea kuungana na viongozi wote wa nchi mungazi zote, viongozi wa Afrika, lazima Kongo na Afrika ipate uhuru wa kiroho, wa kiakili, wa kiutamaduni, wa kisiasa, uhuru mungazi sote. Ile nyo natuleta hapa. Kwa hiyo tusikie message, memorandum ndio mnaitaka, na hizi tunaita ujumbe wa kimasia yenye mababu walituambia tukie kutoa dhabihu hapa, na tulete ujumbe yenye Mungu na mababu walitutuma. Ujumbe tunawaadresse kwa ngazi zote zinatumika hapa waweze kutusikiliza. Tukae
kimya tuweze kusomewa ujumbe huu. Sikilize.